Suite à mon poste d'hier où j'ai dit « Quelle joie de constater que beaucoup d'âmes se libèrent en cette période. Le jeu est sur le point de changer. Laissez-vous guider par votre intuition. N'oubliez pas que nous sommes des âmes dans un corps. Notre chemin est en nous. Écoutez vos vibrations intérieures. Ce sont vos meilleurs guides. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin sur ce sujet. Beaucoup d'entre vous ressentez que c'est le moment de faire un grand saut dans la vie. Ce grand saut, c'est accepter de sortir de notre zone de confort, de comprendre que les moments de solitude et de repli que nous avons vécus étaient utiles pour notre croissance, mais qu'ils ne sont plus nécessaires maintenant. Il est temps d'accueillir notre vulnérabilité, non pas comme une faiblesse, mais comme une véritable force. C'est là que se trouve notre authenticité. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que je suis prêt pour ce changement? Ma réponse est oui, vous l'êtes. Parce que vous avez tous traversé, et tout ce que vous avez traversé également vous a préparé pour ce moment. Le monde est en train de changer, et le monde de demain sera un espace de conscience, de connexion et d'amour. Mais pour avancer dans cette nouvelle énergie, il faut être prêt à lâcher ses peurs, ses croyances limitantes, et les conditionnements qui nous maintiennent dans l'ancien. Je sais que cela peut sembler effrayant et c'est normal, mais il serait plus négatif de rester figé dans nos peurs, de ne pas avancer. Faire ce choix positif, c'est accepter d'avancer, d'embrasser cette nouvelle réalité. C'est là que la libération commence. Une vie plus alignée, plus fluide, plus en phase avec ce que vous êtes vraiment. S'accueillir totalement, c'est s'autoriser à être pleinement soi-même, à s'aimer avec ses forces et ses faiblesses. À se pardonner pour les moments où vous avez douté et avancer avec confiance. Parce que mes peurs et mes conditionnements ne définissent pas qui je suis. Ils sont là, mais ils n'empêchent pas de faire ce grand saut. Ce grand saut n'est pas un risque, c'est une renaissance. C'est un retour à qui je suis profondément. Alors pour tous ceux qui m'ont appelé hier et qui m'ont demandé des conseils, voilà, si vous voulez, si vous avez envie d'en discuter, de partager vos ressentis ou d'aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à me retrouver lors de mon live mardi prochain sur les réseaux YouTube ou Facebook. Ça sera l'occasion d'échanger ensemble et d'explorer cette transformation que nous vivons tous. Donc, à très bientôt. C'est parti, c'est lundi, on va bouger cette journée dans le fabuleux destin d'un...